Hey, salut tout le monde, c'est Pierre. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Avant de passer aux choses un peu plus sérieuses, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de cette vidéo. En plus, aujourd'hui, c'est vraiment spécial, car pour ceux qui le souhaitent, on va pouvoir partager cette séance ensemble, de l'échauffement jusqu'à la fin du WOD, du Work of the Day, de notre entraînement du jour. Je suis super content de le faire avec vous, avec toi. Allez, donc pour l'échauffement, on va partir sur différents mouvements qui vont durer chacun 30 secondes. Le premier mouvement, donc ce sera les Active Spiders. Je vais vous donner l'ensemble des mouvements et après on va les faire ensemble. Active Spiders. Le deuxième, les Air Squats. Attention là, je vais peut-être parler un peu chinois. Ensuite, des Strict Press, ça va peut-être encore. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, ça ira. Puis la marche du canard, Duck Walk. Et on terminera par Cobra ou Yoga. Donc c'est parti, vous êtes prêts? Je vais lancer le chrono. On va effectuer cette séance vraiment ensemble. Et on va partager surtout un bon moment. Allez, en place tout le monde. On se prépare. On va se mettre au sol. Et on part dans 10 secondes. Allez, en place. Donc position pompe pour l'Active Spider. Tu vas venir amener ton pied droit à côté de la main droite et ouvrir cette main au-dessus de la tête. Puis on change de côté. Allez, ça va durer 30 secondes. Ça passe vite. Et on change. On essaie de mettre de plus en plus d'amplitude dans ce mouvement. Allez. Et on change d'exercice. Donc là, on se relève, tu me rejoins et on part sur des air squats. On va tendre les bras loin devant et on va venir descendre dans le bas du squat. Pour le moment, pas trop profond. Et on va accentuer au fur et à mesure. Il y aura deux tours de cet échauffement. Donc on va pouvoir monter en intensité. Ne vous inquiétez pas. On respire bien quand on remonte. On inspire en descendant. Allez, 5 secondes. Super. Là, on va prendre un objet, peut-être l'objet du jour, ou un peu moins lourd. Donc là, par exemple, ici, j'ai une dumbbell. Je vais la prendre à deux mains. Et c'est parti. Donc là, je l'emmène au-dessus de la tête. Avec les jambes bien tendues. Allez, 3, 2, 1, et on peut relâcher. Maintenant, on va passer sur la marche du canard. Donc, normalement, ça donne ça. On essaie de marcher un peu partout à la maison. Ici, d'être vers le bas. Si c'est un peu trop dur, je vais un peu moins bas que le squat. Ok, je m'arrête ici. Et au fur et à mesure, je donne de la profondeur. Ok, allez, on garde un beau dos droit, les bras devant. Ça doit chauffer vos cuisses. Allez, on souffle bien. Ça chauffe, je sens. On continue. Et on se redresse. Allez, dernier mouvement, le cobra, tout yoga. Ça donne ça. On se met en position pompe, on laisse tomber le bassin. Ici. Si c'est un peu trop dur, on met simplement les coudes. On essaie de bien ouvrir la poitrine. On reste 2-3 secondes. Et on va passer en cobra. En yoga, pardon. Donc ici, on rentre la tête vers les pieds, on tend les bras et on essaie de coller les talons dans le sol. Puis on revient, position cobra. Et yoga. Allez, on va le refaire une dernière fois. Cobra. Tout yoga. Super. Bon, j'espère que tu es toujours avec moi.
Là, on va partir sur notre deuxième round. Mais on va mettre un peu plus d'intensité. C'est bon, tu me suis ? 5, 4, 3, 2, 1, on y va ! Active spider. Hop. Et on change donc activement de jambes. Allez, regarde bien ta main monter. Ça mobilise aussi ton dos, ta colonne vertébrale. Et on sera bien prêt pour le WOD. 5 secondes. Allez, hein, fais remonter le cœur. T'es la température. Ok, on se redresse. Air squat, on va mettre plus de rythme ensemble. 3, 2, 1, go! Là où on tend bien les jambes, on serre les fesses. On appelle ça la Ronaldo ou Superman. La fin. Bam. Allez, du rythme. Allez, hein, aujourd'hui, on va bien travailler. On va développer une bonne condition physique. Je vous donne un indice, le WOD. Ça s'appelle le diable déjà. 2 et... Ok, on va reprendre le poids. 22,5 pour moi. C'est parti. Et go. Tends bien tes bras au-dessus de la tête. Allez, hein, on verrouille là-haut. Allez, c'est pareil. Ça doit chauffer le haut du corps. Allez, si t'as pris trop léger... Eh ben on prend plus fort. Si t'as pris trop lourd, on prend plus léger. Ok. La marche du canard. C'est parti. Là, on essaie d'aller un petit peu plus bas que tout à l'heure. Allez, ça c'est bien. Ça c'est vitesse de mobilité aussi, hein. Il est vrai que je ne suis pas le meilleur là-dedans, mais on essaie de le travailler. 3, 2, 1, on se redresse. C'est bon, je vous laisse le temps de vous redresser au cas où. Dernier exercice, Cobra to Yoga. Let's go! Allez, Cobra, tu mets sur les coudes hein, si besoin. Et Yoga, on rentre encore plus la tête. On croise le dos. Et on revient. Allez, yoga. Allez, on pousse dans le sol. Pousse tes mains dans le sol et reviens tes bras. 5 secondes. Petite dernière fois en yoga. Et... Ok. Super tout le monde. Là, on a fait notre première partie de séance. Le warm-up, l'échauffement. Ça va, c'est cool, hein. Le gros avantage qu'on va avoir ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va prendre du temps, mais pour vérifier la bonne maîtrise des mouvements et comment être efficace sur un devil press, c'est le mouvement qui est après, sur des sit-ups, c'est le mouvement qui est après, et sur des fentes. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse boire un petit coup et on y retourne. Allez, c'est bon tout le monde, on a bien bu, on a bien récupéré. On va pouvoir passer à l'entraînement. Pour ça, je vais mettre mes poignets pour être prêt à tout donner avec vous. Aujourd'hui, le WOD s'appelle le diable déguisé. Non pas en Prada. Aujourd'hui, ça, il sera simplement déguisé en une simple dumbbell. Ce sera le diable du jour. Donc le WOD, c'est un AMRAP de 14 minutes. Là ensuite, on part ensemble sur 14 minutes où on va répéter le maximum de tours. 2, 10 devil press. Le devil press, c'est ce mouvement-là. Je vais donc m'allonger au sol avec ma charge dans les mains, me redresser et devoir l'emmener au-dessus de ma tête. Et l'important, c'est d'en faire 10 à une main ou deux mains. La charge part du sol, vous aussi poitrine au sol, et je l'emmène au-dessus de la tête. Le deuxième mouvement du diable déguisé, c'est les sit-ups.
Et les sit-ups, on va en faire 15. Pour ma part, je vais utiliser un petit coussin que je vais mettre dans mon dos. Je vous conseille de trouver un petit coussin à la maison. On met ses fesses devant, on vient serrer les plantes de pied entre elles. On va venir s'allonger et emmener les mains toucher les pointes de pied. Ça, donc on aura 15 sit-ups. Une fois qu'on a fait ça, on se relève et on part sur le bas du corps avec 20 fentes poids du corps. Hop, hop, 20 fentes, ça nous en fait 10 par jambe. Juste avant de travailler ensemble les mouvements, la technique, on va se donner les objectifs. L'objectif, ça va être de réaliser au moins 4 tours minimum, que tu sois débutant ou non. Pour les plus aguerris, 5 tours, voire plus. Et aujourd'hui donc, on va le vivre ensemble. Et je vous invite à me suivre, à faire même mieux que moi, ou à être en synchro avec moi pour qu'on se pousse ensemble vers la bonne condition physique. Allez, on y va. Donc, on va commencer à s'échauffer pour les devil press. Pour ça, je vais vous demander de faire à la maison 3 down up. C'est parti, donc ça va donner ça. Je mets mes mains au sol, j'emmène mes pieds loin derrière et je reviens mettre mes pieds à côté de mes mains. Je me relève. J'en fais 3, de face ça donne ça. Hop, hop, et je me relève. Allez, 3 fois. Hop, hop, et je me relève. Et je respire à chaque fois. Dernier. Ok, on a fait les 3 down up. Maintenant, on va apprendre à venir amener le bassin au sol. On va faire 3 sprawls. Ceux qui font peut-être des sports de combat, ça va vous dire quelque chose. Ça donne ça. Ici. Hop. Et j'emmène mon bassin au sol. Ça vous rappelle peut-être l'échauffement avec le cobra. Et je ramène mes pieds. Et je me redresse. Ici. Hop. Et hop. On va en faire 3 à nouveau. Hein. C'est parti. Je colle mon bassin et je le décolle très rapidement. 3 fois. Allez, une dernière rep. Ok tout le monde. Maintenant, on va aller encore plus loin. On va venir poser la poitrine au sol après le sprawl. Donc ça va donner ce mouvement qui est le burpees. Là, à la fin, on va venir sauter et taper les mains au-dessus de la tête. Donc ici, bassin, poitrine et marche arrière. Poitrine, bassin, je tape, je saute. 3 reps, c'est parti, ensemble. Et on essaie de bien décomposer le bassin, poitrine, poitrine, bassin. Et je reviens les fesses bien hautes. Et dernier. Ok, je pense que vous êtes prêts pour le burpees. J'espère en tout cas, parce qu'on va en avoir pas mal aujourd'hui. Puis, ce burpees va être mélangé à un mouvement en haltérophilie. C'est pour ça que ce mouvement est un petit diable en lui-même. Il s'appelle le devil press. On va effectuer des soulevés de terre. À un bras, comme ceci, ou ceux qui ont un objet comme une kettlebell, juste là, ou un sac, vous pouvez le prendre à 2 bras. Hop, ici. Pour le soulevé de terre, on va en effectuer 3 à 5 par bras, ou 6 à 10 en tout. Et on va veiller à descendre avec un dos droit, les fesses bien hautes, et remonter avec ce même dos parfaitement placé. Hop, on descend, on vérifie que ça tire bien ici les ischios. Et quand on remonte, on tend les jambes et on serre les fesses. Et on se tient bien droit. On regarde devant. Vous avez vu la nuque, elle reste neutre. Hop. Ok, c'est bon pour les soulevés de terre des deux côtés. Maintenant, on va rajouter un peu plus de dynamisme à ce mouvement et on va rajouter un tirage haut. Je vous montre, un bras, ça donne ça. On va envoyer la hanche et tirer le coude ensuite. Ok, évitez de faire l'inverse. Tirer le coude et envoyer la hanche. Ça, non. On vient vraiment envoyer la hanche, tirer le coude. Allez, 3 par côté ou 6 en tout. Et à 2 bras, ça donnerait donc ça.
toujours l'extension avant le tirage. Extension, tirage. Ok, c'est le muscle le plus important du corps, on n'oublie pas. Allez, ça doit se faire en même temps. Hein. C'est bon pour les tirages hauts. Maintenant, on va arracher cette charge du sol, comme son nom l'indique. Hein. On va donc l'arracher, donc l'emmener du sol à au-dessus de la tête en restant le plus près du corps possible. Hop. Hop. Allez, je vous laisse en faire 3 par côté ou 6 en tout. Ok, super. Et maintenant, on va faire 2 devil press. Soit 2 avec les deux mains ou 1 par bras. Allez. On souffle bien. Et on utilise la même technique au burpees, hein, poitrine, bassin, etc. Super tout le monde. Maintenant, on a fait le mouvement entre guillemets le plus complexe, hein, le devil press. On va finir avec les sit-up et les fentes, ça va aller un peu plus vite. Donc on se met au sol, et je vous montre simplement les adaptations pour les sit-up. Si vous sentez que ça va être compliqué pour vous, au niveau du mouvement et du nombre de répétitions. Donc ça c'est le mouvement du jour, sit-up. Peut être adapté comment? Je viens toucher le sol et seulement les genoux au lieu de venir pointe de pied. Ok, je choisis. Ou alors, dernière adaptation, j'enlève mon petit coussin cette fois. Je viens poser mes mains au-dessus des genoux et je redescends sans relâcher totalement. Je suis là. Hop. Ok. On choisit le mouvement qui nous convient, qui nous challenge aussi. Et on fait 5 reps. Allez, go! Super! Et maintenant, les fentes. Les fentes, on va en faire 6 lentes, 3 par jambe. Donc, une, on vérifie qu'on a bien le genou avant la pointe de pied. Le bassin au-dessus du genou ici. Et on pousse. 2, 3, 4, 5 et 6. Super tout le monde. Ok? Je pense que là on est bien prêt. On va reboire à nouveau un petit coup. Je vous laisse vous hydrater. Et après, c'est parti. Je lance le chrono et on va se faire plaisir. Je vous rappelle le WOD. 10 devil press, burpees, puis je tends le bras au-dessus de la tête. 15 sit-up et 20 fentes. Ok? On va y aller à fond. On va tout donner ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Est-ce que vous êtes prêts à tout donner avec moi? Pourquoi pas essayer d'être synchro, hein, pendant cet entraînement, le faire ensemble. Et dès que vous sentez, vous passez devant. Vous me laissez derrière dans le rétro. C'est bon tout le monde? On y va. 10, 15, 20, pendant 14 minutes seulement. Allez. 14 minutes sur le chrono. Vous pouvez le mettre aussi un chrono à la maison, mais en tout cas sinon il est sur votre écran. C'est parti. Prêt? Départ dans 10 secondes. On se fait plaisir. 3, 2, 1, go! Allez, 10 devil press. Un conseil, pars pas trop vite sur ce mouvement, car c'est le diable qui est déguisé en lui. Là, c'est possible. Hein. Au fur et à mesure, il y a quelque chose de naturel qui se passe. C'est-à-dire qu'on m'entend de moins en moins parler. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va tout donner, les gars. Yeah. Allez. Hein. On va essayer de garder un rythme régulier là-dessus. Le même du premier au dernier tour. Allez, les sit-up sur le coussin. Et là, on respire. Mais on met quand même du rythme.
on évite de s'endormir. 1, allez, 1. Allez, comptez sur moi. Compte sur moi pour te pousser hors de cette zone de confort. 14 et 15. Maintenant, bas du corps, 20 fentes. Allez, ensemble, on se regarde. Boum. 1, 2. Mets bien les pieds l'un à côté de l'autre. 3, 4, 5, 6, 7. On fait attention aux genoux. 8, 9. Plie bien la jambe arrière. Hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et dernière, on en est à 2 minutes. Allez, 0,5. On peut faire plus de 6 tours. T'es prêt? On continue. Allez, arrache ça près du corps. Allez, hein. Allez, on garde un rythme régulier ensemble. Allez, hein. Allez, je vais pas le faire à moitié cet entraînement. Je vous le dis. Pas de raison. Ceux qui se donnent à moitié, ils ont des résultats à moitié. Alors on se donne à fond. Allez, soufflez. Je fais juste mon micro. Allez. Ça a passé vite, hein. Ok, 15. Je suis au fente. 2. 3. On tend bien les deux jambes là-haut. 5. Même les mouvements, on ne les fait pas à moitié. C'est un super entraînement, ça. Yes. Allez. Non. Allez. On reste bien concentré. Ok. On souffle juste avant de reprendre le poids dans les mains. Si vous êtes toujours avec moi, même si on est un peu derrière, on continue. Ou devant, fonce, fonce, fonce. Regarde, je vais pas te lâcher. Allez, hein. Allez, on détend le visage. Ça va nous détendre musculairement. Et on continue à bien s'oxygéner. Allez, c'est bien ce que tu fais là, continue. Réagis bien au sol. Quand la poitrine touche, comme s'il y avait un coussin qui te repoussait. Pareil au sit-up, le coussin il est sur tes pieds. Boum, il te repousse. Bien sûr, hein. Ça c'est un rythme assez soutenu. Hein. Donc on adapte si besoin. Mais je suis là pour vous pousser les gars. Et je vais le faire. Allez, les fentes. Relève. Et on se tient bien droit parce qu'on est fiers et on est content de faire cet entraînement ensemble. Allez, on réagit dès que le genou touche derrière, boum. Hop. 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 Allez, 16, moi j'en suis. 17.
18, on relâche les bras. 9 et 20, on continue. On est bientôt à la moitié du temps. Allez, go! Allez, hop! Tends bien le bras là-haut, hop! Et on repart au sol. C'est une mécanique. Allez, hein. Et sit-up. Allez, on est dans le quatrième tour. Allez, soufflez bien. On a fait plus de la moitié du temps maintenant. Là, on va avoir 3-4 minutes, ça va être là-haut. On fait l'effort mentalement. Allez, on repart sur les fentes. Hop! Et on y va, on se fait plaisir là, allez. Allez, si on veut du résultat, ça commencera à la 9e minute où il ne faudra rien lâcher. On est prêt là, hein, on se conditionne. Ok. On part sur le 5e ensemble. 3, 2, 1. Allez. Violent là, quand tu arraches ça, tu fais attention à ton dos et hop. Allez. On aère, on oxygène. On envoie fort la hanche, là les fesses. Quand le poids passe devant, boum, violemment. Allez. C'est super ce que tu fais, continue. T'as fait le plus dur. Le coussin toujours là. On se repousse si on peut. Allez, hein. On va accélérer même. On en est à 9 minutes. Seulement 5 minutes restantes. C'est quoi 5 minutes les gars? C'est là où tout se passe. Simplement, c'est là où on aura les résultats. Donc on maintient le rythme. Allez. On garde toujours un dos droit. Les jambes fortes. Super, hein? Allez, relâche pas, relâche pas. C'est normal d'avoir un coup de mou. On prend du repos et on repart. Hein. Allez, ensemble. Sixième tour. On va être dans les objectifs. Peut-être mieux. Allez. Ça, c'est le mouvement, hein. Le pire du WOD. C'est celui où il faut se brider là-haut. Hop. Et on respire au mouvement d'après, les sit-ups. Allez. Bientôt dans les 3 dernières minutes. Allez, ça brûle, on fait. Serre les dents. Pense au résultat.
ça va aller mieux. Yes. C'est ça, on continue. Allez, un, centre. Ensemble. Hop. Deux. Allez, un. Je commence à avoir chaud ici. Pas une raison pour relâcher. On y va. Allez. Hop. Allez les gars, un petit challenge à tout le monde. Il va rester 2 minutes 30. On essaie d'aller chercher quasi un tour pour les débutants, plus d'un tour pour les autres. Allez, go! Allez, hein. C'est sûrement les derniers. Allez, hein. Il nous en reste encore là. On n'est pas en réserve. On y va. Une 30. On souffle. On garde. On garde le rythme. Allez. On a bien le chrono en face des yeux. On lâche pas. Allez, à la maison. Allez, allez. C'est bien. Essayez de réduire les repos maintenant. Il va rester bientôt une minute. Allez. Une minute. Allez, hein, le chrono il est juste là. On y va, on y va. Allez, crescendo. On augmente ce rythme. Allez, allez. C'est les dernières secondes. Essayez de les faire, c'est 10. 30 secondes. Vingt secondes. Allez. 10 secondes. Allez, accélère. Encore. 3, 2, 1. Yes. Bravo, super. J'espère que vous êtes bien maintenant après cette superbe séance. Ouh ! Bravo à toi, que tu sois débutant, intermédiaire, compétiteur. Bravo pour avoir fait cette séance avec moi. Super content de vous faire transpirer aujourd'hui. Continuez à suivre la chaîne CrossFit Samaro Briva. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram. Si vous voulez continuer à vous entraîner et à développer une très bonne condition physique. Salut tout le monde. Et encore bravo.